Seigneur, tu me supportes durera non apprends que Garibay va rater 2 mois de compétition, car il est blessé aussi que janvier, alors que Allende devrait débarquer au Real cet été peut-être. Il rêverait du Real, mais car le Real a plusieurs longueurs d'avant en raison de ses bonnes relations avec Joachim Wesk, le patron de Dortmund, à Mino Raiola qui préfère souvent aller au plus offrant. Le PSG a un avantage sur cet obstacle car il y a des joueurs PSG comme Donnarumma, Verratti, tandis que Haaland est sous contrat jusqu'en 2024. Quant à Benzema, Higuain n'a pas apprécié la concurrence. De Benzema qui soit rendu fort. Il a déclaré sur cette saison, je ne suis pas loin des standards de CR7. Lors de sa première année au Real, et malgré ça, ils ont fait venir Kaka et Benzema. Ce que je me suis dit, c'est pas croyant combien de buts je dois marquer. Après, avec Benzema, c'était une concurrence très saine, mais il fallait donner le maximum. Benzema est arrivé et il a fait ressortir la meilleure version de moi et j'ai fait ressortir la meilleure version de lui. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi? C'est tout simplement car il n'était pas compatible avec Ronaldo, car Benzema est plus athlète que lui et il ne claquait pas autant que Ronaldo. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Genesio, il y a eu un mot pour les débuts de Camavinga, il a déclaré. C'était sûr, des regrets, non, je n'en ai pas, je suis content qu'il retrouve son enthousiasme qu'il a joué à 16 ans en Liga. Je l'avais dit plusieurs fois, un joueur ne peut pas faire de ses qualités comme ça. Du jour au lendemain, il y a des paramètres qui font qu'on est parfois moins bien. Il avait simplement besoin de s'aérer l'esprit, de trouver un soignant différent dans un club étranger. Je pense que c'est important et que ça va lui faire le plus grand bien. Je suis content pour lui. Je l'ai d'ailleurs félicité pour ce qu'il a fait. Je pense qu'il va beaucoup progresser dans ce grand club avec des grands joueurs autour de lui. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi? Et en raison, la Liga était trop petite pour lui. Pour Camavinga, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et on voit qu'il s'est bien adapté. Au Real, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au Real, ils ont contacté l'accord passé entre la Ligue et CVC. Ils ont déclaré, il est surprenant qu'ils contactent une partie de ceux qui ne connaissent pas encore. Et plus encore, quand il a déjà été précisé que 3 clubs, le Barça, le Real et l'Athletic Bilbao, ne seraient pas affectés économiquement,
et qu'ils vont sérieusement bénéficier de la croissance de la Liga dans les années à venir. Dans un communiqué, la réponse de la Liga a été les trois clubs contestent quelque chose qui ne les affecte pas directement, au contraire, c'est que bénéficieront de la croissance de la Liga en tant que compétition, laissant en évidence ce qui ne veut pas, c'est l'expansion de la croissance des clubs. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.